Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming. Donc j'ai fait un vide grenier. Bon, il a plu un petit peu, mais j'ai réussi quand même à trouver quelques trucs. Je sais pas parfois comment c'est. On va commencer par Pikachu. Donc j'ai trouvé un petit Pikachu. Voilà. Côté jeux vidéo, j'ai trouvé deux jeux PS3. Voilà, je les ai mis pour 5€ le lot. Complet. Après c'est des jeux de guerre donc c'est pas forcément ce que je préfère. J'ai déjà quelques jeux PS3 mais j'ai toujours pas la console pour le moment. Alors continuons dans les jeux vidéo. J'ai trouvé ça pour 4€ au lieu de 5. En fait dans le même stand j'avais trouvé un beau coffret Harry Potter. Je me suis jeté dessus, il était à 10€ et ça c'était 5€. Du coup j'ai eu tout pour 14€, donc ça va. Ça se fait beaucoup je trouve les fausses consoles maintenant. Donc normalement ils se branchent sur la télé et on peut jouer comme ça en portable. Donc voilà comment elle est. Et les câbles ils sont juste en dessous. Voilà, apparemment c'est tellement nul que personne y a joué. C'est 168 jeux en un. Donc je regarde. Ah oui, d'accord, je pensais que ça marcherait avec des piles, mais non. Il y a une batterie comme ça derrière. Et donc le chargeur dedans, ok. Le chargeur avec aussi. Avec aussi les câbles pour brancher à la télé. Je ferai une vidéo test dessus. A mon avis ça va pas être terrible mais qui sait. Peut-être que c'est super bien hein. On verra bien, qui sait. Donc voilà pour ça. Donc maintenant le coffret Harry Potter, ouais. En très bon état. Donc sur DVD. Et bah il est complet, en plus il y a plein de posters là, on va regarder ça maintenant, je les ai même pas regardés donc en gros je vais découvrir en même temps que vous, oh, je sais pas où je vais accrocher ça moi. Tiens, en plein là, Harry et Dumbledore, ah, je sais pas combien il y a de posters mais il y en a pas mal hein, je dirais, ça c'est la coupe de feu, je reconnais direct. Bon, pas le titre, je reconnais direct que c'est la coupe de feu. Yeah. Celui-là, je le trouve plus joli que l'autre. Je l'accrocherai. Je sais pas où, mais j'ai trouvé une place. Dans mon coin cinéma. Ah, ça, c'est l'école des sorciers. On reconnaît. Très bel état.
sont tous en très bon état, hein. Ils n'ont pas été accrochés ni rien, ça se voit, y a pas de traces de pâte à fixe, y a pas de trou, y a rien. Ah, le prisonnier d'Azkaban. Tiens, je reconnais quelqu'un là. Ah, ça doit être la chambre des secrets. Voilà, ouais, j'ai raison. Très beau poster. Je sais pas si je les accrocherai tous, mais au moins les plus beaux, quoi. Ils sont tous beaux, vous allez me dire. Il y en a que je préfère quand même. Je pense que je mettrai. Parce que j'aime pas tous les films Harry Potter, en fait, j'ai que les 4 premiers. Donc je pense que je privilégierai plus les posters des 4 premiers films plutôt que les autres. Pas mal celui-là aussi. Ouais, c'est les reliques de la mort, deuxième partie. Donc ça, j'ai moins accroché le film. Mais le poster, il est quand même. Il a de la gueule, quoi. Alors là, c'est les reliques de la mort, première partie. Ouais, ça me fait penser un petit peu à Twilight, quand il court dans la forêt comme ça. Ouais, il est pas moche non plus, hein, ce poster. Hein. Bon, après, faut aimer Harry Potter, quoi. Dernier poster, déjà. Ah, c'est l'Ordre du Phénix. Donc du coup je dois en avoir 7 je crois. Ça doit être le même nombre que les DVD, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Je vais recompter quand même comme ça. 2 posters. 3 posters. 4 posters. 5 posters. 6 posters. 7 posters. 8 posters. Oui, donc j'ai bien 8 posters. Donc 8 posters plus les 8 DVD pour 10€, plus le coffret qui va avec, qui range le tout. Trop beau, très collecteur. Bon, je pense qu'un truc comme ça, neuf, ça doit valoir, je sais pas, entre 25 et 30€ au moins. Donc, je vais vous faire voir les DVD maintenant. Bon, ça aurait été encore mieux que ce soit des Blu-ray, mais bon, bref, pas trop à demander. Hein. Déjà, DVD. Alors, il y a des DVD Harry Potter que j'ai déjà. Donc, du coup, avec ce coffret-là, je les aurais en double. Mais bon, quand on est fan, hein, voilà. Et encore, avec les Pokémon, je suis encore pire. Hein. Bon, déjà, j'ai vendu toutes mes VHS Harry Potter. Parce que bon, les VHS, bon, ça se fait plus. Puis c'était énervant, fallait rebobiner tout le temps. Les VHS, j'ai connu ça quand j'étais petit, mais. Et les cassettes audio aussi. J'ai pas trop le sens de la nostalgie. Hein. Donc voilà, donc ça c'est le 1. C'est à l'école des sorciers. Le 2, chambre des secrets. Le 3, prisonnier d'Azkaban. Donc les DVD de JJ, c'est pas les mêmes jaquettes. Elles sont très belles celles-là. La coupe de feu. Donc là, c'est à partir de là, donc les 4 derniers que j'accroche moins. En gros, j'aime les 4 premiers films, Harry Potter, et les 4 derniers, j'accroche moins. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, l'Orbe du Phénix. Le Prince sans mêlée. Les Reliques de la Mort, première partie. Et les Reliques de la Mort, deuxième partie. Aussi, donc c'était pas dans le même stand. J'avais trouvé un super beau classeur Harry Potter. Je l'ai eu qu'à 50 centimes. C'est nickel, 50 centimes. Pas cher. Hein. Un beau classeur comme ça. J'ai pas hésité. Mon budget total, c'était 23€. Les 23€, je les ai tous clamsés. Maintenant, on va finir par les livres. Bon, je sais pas par quoi commencer. Bon, allez. Celui-là, tiens, le plus connu. J'ai pris un Pinocchio. Et donc là, en gros, c'est plus une BD.
Voilà, c'est en comme ça. Ça fait un petit peu la collection des Pinocchio. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je peux donner les dates d'édition. Et donc, le Pinocchio, il est de 1994. Et donc, les livres, je les ai tous pris dans le même stand. J'en avais pris trois. Donc, ça, c'est le deuxième. Un Oliver et compagnie. J'avais eu le tout pour. Je sais pas me souvenir. 5 euros. 5 euros les trois livres. Donc, je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Voilà, les très belles illustrations. Bon, je sais pas si je vais le lire un jour, mais bon. Alors, la date d'édition, c'est 1990. Ils sont pas très très vieux, quoi. Et le dernier, un joli atlas du monde. En fait, j'étais surtout intéressé par le Pinocchio de base, mais après, je me suis dit, bon, comme ça, je vais lui en prendre plusieurs, comme ça, il va me faire un bon prix. Bon, voilà. Donc, du coup, j'en ai pris trois. Et regardez l'intérieur, super bon état. Pour faire ma culture. Même si je préfère la faire sur internet. Même si je préfère la faire sur internet, bon. Et la date d'édition, c'est 2006. Voilà. Très bon état. Du coup, j'ai pas filmé les deux premiers vide-greniers que j'ai fait. Parce qu'il pleuvait. Mais du coup, après. Mais après, quand je suis allé dans le dernier, bon bah là il pleuvait plus, donc allez hop, j'ai filmé tout ça, puis c'est là où j'ai trouvé tout ça, bon bah nickel, content. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut les amis!